Bonjour et bienvenue en direct sur 99media.org. Aujourd'hui, en web diffusion, ça va être la manif annuelle contre la brutalité policière. Hop, téléphone. Alors, rebonjour tout le monde et re-bienvenue à, sur 99media.org. Je suis présentement au métro Beaubien. La manifestation est appelée au coin de Jean Talon et Châteaubriant, soit à une station de métro plus haut sur la ligne orange. Il y a une petite présence policière ici au métro Beaubien. Il y a quelques minutes, il y en avait plusieurs autres véhicules, mais bon. Ils se sont déplacés. Il y a quelques militants qui sont sur place ici. Dans quelques minutes, je vais commencer à me déplacer vers le coin Châteaubriant et Jean Talon où le lieu de rassemblement pour la manifestation a été appelé. So, hello everyone and welcome on 99media.org. Today, it's going to be the annual police... anti-police brutality demo. I am right now at the Beaubien Metro Station in Montreal. I am one metro station away from where the demo, the assembly for the demo was called. I will be walking up to there. So there's a small police presence right here. But I'm expecting a lot more presence as I'm about to walk down there. In just a minute or two, I will start walking towards the assembly point. Manifestation contre la brutalité policière. Elle est, pas appelée, elle est appelée au coin de Jean Talon, mais elles sont là pour checker ceux qui arrivent ici. Ah! Bon, ben, je sais pas pour vous autres, mais moi, je bouge. Ça c'est prêt, ça c'est prêt, ça c'est prêt. Ça c'est prêt. Y a-tu moyen d'entendre 5 minutes, s'il te plaît? Dans 5 minutes, on part. Moi, non, honnêtement, je vais. Fait 10 minutes, je vais être là-bas. Et à ligne droite 17. Bon.
passe, c'est du monde. Ils ont l'air d'être vraiment intéressés au fait que je bouge. Et voilà. C'est quoi, vous autres, il vous manque du monde? Non. Moi, il me manque une photographe et une autre équipe, mais l'équipe de CUTV. Ils sont pas arrivés encore. Bon, oui, ils s'en venaient, mais bon, par le temps qui arrive, Chris, on va... Non. Ils sont restés parqués, là? Oui, ils sont restés parqués. Fait que je me déplace présentement. Fait que je me déplace présentement sur Châteaubriant en direction nord, vers le secteur du rassemblement, vers le point de rassemblement pour la manifestation. So right now I am walking north towards the assembly point for the demo. Alors, petit résumé de ce que j'ai pu voir jusqu'à date. À l'intérieur du métro, il y avait plusieurs petites équipes du SPVM transportant le gros bâton et leur casque dans une poche sur la cuisse qui est à l'intérieur du métro. Bon, je vois déjà des gyrophares, mais ça a passé trop vite que je puisse les mettre à l'écran. Fait que c'est ça, à l'intérieur du métro, il y a déjà des équipes du SPVM qui se déplacent vers le lieu de rassemblement et où qui font le guet à l'intérieur du métro. Now, in English, inside the subway system, there were, on my way here, I saw a few teams of police that were carrying some riot gear, but not the usual anti-riot, just the helmet and that huge fucking baton. Oui, il est tombé. Fuck off, il est pété. Non, là. Alors, attention, malheur. Alors, manifestation contre la brutalité policière, 15 mars 2014. On est en direct sur les ondes de 99media.org et je suis en déplacement pour m'y rendre directement au point de ralliement pour la manifestation. Fait que toujours sur Châteaubriant, direction nord, je me déplace. On a traversé Saint-Zotique en partant du métro Beaubien. Still heading north from Beaubien Metro, just crossed Saint-Zotique. Got a few more blocks to go. Annonce moins 25.
Ok. La vanne blanche, moi, c'en était un qui chauffait. Hey, les ZIP, l'équipe de surveillance des interventions policières à l'UQAM, ça existe ça encore? Je sais pas. Je pense que oui. Il me semble que j'ai vu quelque chose sortir il y a pas longtemps. Il me semble que j'ai vu de quoi il y a longtemps sortir deux autres. Fait que ici, on a les commandants. Ça va bien, les manifestants connaissent les commandants par leur nom. So, the white van with some police officers inside are not the police chief, but some commanders of the police. And a comment that from one of the people that'll be protesting called out his name. So I made a point of saying, funny, whoa, I fait beau U-turn. So I made a point of saying, funny how some protesters know the actual name of commanders on site. Okay. Got a few vehicles here. Bélanger, Chateaubriand, quelques véhicules du SPVM. On est... Ah, c'est ma lumière. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 véhicules du SPVM au coin de Chateaubriand. Un autre groupe qui se prépare. Riot Gear. Ça va bien, les manifestants qui connaissent les policiers. Les policiers connaissent le nom des manifestants aussi. So not only do protesters know cops by name, but some cops know protesters by name also. So, on the last street corner, 14 police vehicles, plus many on foot. Now we are less than half a block away from the meeting point. On est à un demi coin de rue du lieu de rassemblement. Camion superviseur de l'équipe des motards. So that 4x4 there is the motorbike police commander, if I could say. Hee 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 hee!
quelqu'un qui est sorti sur son balcon et qui a crié quelque chose à la police. J'ai pas compris quoi exactement. So somebody just came out on his balcony and shouted something to police. Two police or about police and... Bon, les portes de la tour Bell ici, tu sais, barrées. Funny. Oh boy! OK, on peut en voir là, qu'ils sont prêts, le casque avec les jambières de l'équipe anti-émeute. So, now we see some police that are prepped for riot. You see them with their helmets, yellow. Cavalry on the other side of the street also. Public address truck. À vue présentement. Seven police vehicles on site that I can see quickly. Oh, oui, je peux inquiéter l'anti-émeute. OK, l'anti-émeute est dans le bien là. OK. Toute cette présence ici qui était pourtant une heure et demie avant même que moi je suis allé faire mes courses tout à l'heure. Je sais très bien c'est pourquoi, parce que je suis pas dans la vidéo et c'est quoi notre que la manifestation aussi, mais c'est vraiment dénoncer l'approche répressive et ce délire sécuritaire où on est rendu à accepter que par prévention, on fasse une forme de propagande. Les différents médias parce qu'ils savent que les médias leur sont favorables. Et ça, historiquement, c'est démontré. Il y a des études qui démontrent parfaitement que les médias sont favorables aux policiers parce que souvent en considération que voilà, l'institution policière est légitime, alors que les manifestants, ce sont de simples manifestants qui viennent manifester, qui viennent faire le bordel. Or, il y a vraiment ce paradigme-là entre qu'est-ce qui est légitime, qu'est-ce qui ne l'est pas, et l'institution policière au niveau de la société est supposément légitime. Donc c'est pour ça aussi que c'est... Je peux juste vous demander en anglais la même chose, comme juste basic... Basic sort of, what is the protest? What's the goal of the protest and what are your concerns about this? Comme... Wait, now switching... Yeah, switching and I... speak through my voice, so right now I'm just, you know... How should I say? Because I don't want the message to be here. Since the police exist, but we're here today to protest against all the police brutality that we saw in the 2012 movement, the student movement, and that we see each and every year, and we can see all the police presence here, like they're more than journalists and protest, and this is the point, because in society, we use repression to control like social issues, actually. Not only social movements, but social issues as homeless people, and because there was a policeman that treated a homeless guy that he will wrap him up around the pole, yeah. While it was minus 30 degrees outside, and that kind of problem, it's not only about the brutality that is the physical violence that we see every year, and the murder. A couple of weeks ago, we saw another homeless guy that was killed by the SPVM. So, and it's
it's a political, it's a social issue. All we do is always like the police. It's normal. We normalize the fact that the police is treating like social problems, and we always they budget every year. It's getting higher actually. This year they get